Marion, j'ai 35 ans, je suis actuellement responsable de travaux sur une opération d'une salle de spectacle en région parisienne. Mathieu, 28 ans, responsable travaux sur le projet de rénovation d'une tour à La Défense. Les travaux, nous intervenons une fois que les commerciaux ont traité une affaire et on prend le projet pour l'exécuter en respectant donc les attentes du client, le planning associé et surtout les intérêts de l'entreprise tant financiers que contractuels. Et on est le chef d'orchestre, garant de la qualité, de la sécurité du projet et tout ça évidemment dans un planning qu'on doit tenir et dans un coût qu'on doit optimiser. Mon rôle aujourd'hui au sein de la filière travaux, c'est de piloter et de suivre l'étude et l'exécution de tous les corps d'état secondaires de l'opération, des corps d'état techniques, architecturaux, en passant par les lots scénographiques, et je dois aussi piloter la synthèse. Ma mission, c'est de coordonner les travaux, de les planifier, d'étudier les interfaces, les phasages, et de garantir à mon client la qualité du projet qu'il a acheté. Donc pour moi, la qualité principale, c'est l'intelligence relationnelle. On doit adapter notre discours à tous les intervenants qui sont face à nous tous les jours. C'est aussi d'avoir du bon sens, parce qu'on ne peut pas être expert sur tout, on ne peut pas tout savoir. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et les solliciter à bon escient. Il y a une idée reçue qui concerne les travaux, qui dit que quand on est une femme, on ne peut pas évoluer aux travaux. Je crois que je peux prouver le contraire, puisque pour ma part, j'ai réussi à évoluer aux travaux et j'en suis très heureuse. L'idée reçue sur notre métier, c'est qu'il y a beaucoup de stress, mais c'est un bon stress et une bonne pression qui nous fait avancer tous les jours. Ma plus grande fierté quand on livre une opération, c'est de me remémorer le terrain vague que c'était à l'origine et de voir tout le chemin qu'on a parcouru pour y arriver.